choisissez la lumière. Rien ne sert de nourrir vos peurs en vous inquiétant. Choisissez de vivre dans la lumière, de vous alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Élevez-vous au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de vos doutes, et retrouvez l'essentiel à votre vie, Dieu. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux et je suis ravi de vous retrouver donc sur la chaîne Island Guidance pour un nouveau tirage. Et en fait on va reprendre un format qui a déjà utilisé, ce sont des vidéos que je publie généralement une fois par mois. Donc comme vous avez pu lire, on est sur les gros changements. Pour ceux qui demandent à chaque fois, et pour qui cette guidance? C'est un tirage qui est pour tout le monde, universel. Je pense que tout le monde a un message à recevoir puisqu'on est sur les gros changements. Comme vous avez pu voir aussi sur la bande-annonce, on va aussi parler de ce chemin que nous sommes en train, individuellement et de manière aussi collective, c'est-à-dire de se diriger vers la lumière, et que peu importe ce qui peut arriver, peu importe les événements que nous ne pouvons pas forcément contrôler, le tout c'est de ne pas les juger, mais de les accueillir pour les laisser être, tout simplement pour nous permettre à nous d'être de la même manière. On va pouvoir, sans plus attendre, commencer le tirage donc pour le mois d'avril au niveau des gros changements. Au niveau de l'objectif, on a eu le retour, la fusion, la naissance et la mort, ce qui est très paradoxal et on va y venir. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est-à-dire que dans les changements que on va vivre de manière, on va dire, comme je vous ai dit, collective ou individuelle, on nous parle de retour et de la fusion. Pourquoi? Le retour, vous le savez maintenant depuis le temps, on nous parle de quelque chose lié et souvent au passé, quelque chose qui revient. On peut être sur une personne, on peut être sur une situation. Et on a la fusion. En fait, aujourd'hui, mon interprétation sera différente, mais puisque je dois me laisser guider sur ce que je ressens, c'est toujours ce qui prime, donc je le fais. Ce qu'on essaye de nous expliquer par rapport au retour et à la fusion. On nous dit que sur ce mois-ci, l'objectif, ce qui sera le plus important à vivre, c'est de revenir à de vraies valeurs, de revenir à un véritable engagement, que ça soit envers les autres ou que ça soit envers vous-même, et je pense que les deux sont liés. On vous parle en fait de revenir à quelque chose qui est à l'intérieur de vous. On vous parle d'aller puiser, on vous parle d'aller chercher quelque chose qui est à l'intérieur de vous, au plus profond de vous-même. Avec la fusion, on est en fait sur l'accord, sur l'engagement. Alors oui, effectivement, pour certains, ce mois-ci, il ne faut pas non plus l'oublier, il pourrait y avoir une personne du passé avec qui il y avait un engagement, peu importe le domaine, puisqu'on peut être lié des fois au professionnel pour certains, pour d'autres au niveau sentimental. Mais finalement, puisque ce tirage est pour tout le monde, ce n'est pas ça le vrai message. Certes, il y a quelque chose lié au passé qui revient pour un profond changement. Mais moi, ce qui va m'intéresser un peu plus, c'est, on va dire, le côté, on va dire, plus universel et le côté collectif de ce tirage. On vous parle bien d'un retour. On vous parle bien d'un retour à l'engagement, d'un retour aux valeurs. Et puisqu'à côté, vous avez, c'est drôle, la naissance et la mort, qui sont quand même deux cartes qui pourraient paraître au prime abord diamétralement, totalement opposées, et qui le sont, mais alors pas tant que ça. Puisqu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à ce qu'on va vivre ce mois-ci, par rapport à ce qui revient, par rapport à ce qui arrive, on vous demande d'aller rechercher à l'intérieur de vous, au niveau de vos valeurs, au niveau de l'engagement. Et puisque nous avons la naissance et la mort, on est tout simplement en train de vous parler d'un cycle qui est en train de s'achever, d'une page qui est en train de se tourner
pour laisser place à quelque chose de nouveau et de différent. On est, je ne sais, de toute manière, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est ce qu'on, enfin moi personnellement, c'est ce qu'on, on est sur une période, outre le fait de la période et du contexte social sanitaire que nous sommes en train de vivre, il y a quelque chose d'un peu plus puissant. On est sur aussi de grosses remises en question. On est aussi sur de gros changements, de gros réglages. Mais on est sur quelque chose qui est fait pour laisser place à quelque chose de totalement différent et de totalement nouveau. Au niveau de la situation actuelle, vous avez la correspondance et le désert. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Actuellement, pour certains, puisqu'on est en tirage général, on vous dit qu'au niveau des échanges, au niveau du partage, au niveau des nouvelles que l'on reçoit, des nouvelles que l'on donne, des échanges tout court, il ne se passe pas grand-chose. On peut vous dire aussi, avec ces cartes, que justement, on est sur une période où on va se concentrer et accorder un peu plus et mettre le focus un peu plus parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans nos vies ou dehors, puisque c'est quelque chose qui est... Le désert, c'est quelque chose qui est long, pénible à traverser, parce qu'en fait, ça ne peut pas laisser place à quelque chose qui puisse naître, à quelque chose qui puisse nourrir, à quelque... puisque le désert, généralement, quand vous le voyez, c'est une étendue longue à perte de vue. Et ben là, on est sur ça. On vous parle d'une période qui est longue et difficile à passer, où pas grand-chose ne semble pouvoir pousser. Mais c'est justement là qui est intéressant à développer, parce qu'en fait, ce que l'on vous dit par rapport à ça, eh ben, c'est qu'en fait, on est aussi sur une période où on vous demande, puisque c'est l'objectif, de revenir à de vraies valeurs, de revenir à quelque chose d'un peu plus essentiel. Et en fait, c'est même pas le mot essentiel. Ce qu'on peut retenir en faisant la contraction, c'est qu'on revient, on est en train de se rendre compte et de revenir peut-être à l'essence même de notre propre être. L'influence du passé sur les gros changements à venir ce mois-ci. L'influence du passé, on a le boomerang et on a l'eau. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Le boomerang, on est effectivement sur quelque chose qui revient, lié au passé. Mais le boomerang, c'est aussi ce que l'on récolte. Vous connaissez le dicton ? Qui sème le vent récolte la tempête. Je pense que pour certains, quand on parle d'éveil spirituel, vous connaissez aussi ce qu'on appelle la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce que vous renvoyez. Quand on parle aussi de miroir par rapport aux autres, une personne avec qui il peut y avoir un conflit ou un différend est là pour nous montrer par rapport à l'autre ce que nous-mêmes avons du mal à voir sur nous. Généralement, l'autre, qu'est-ce que c'est que l'autre face à nous? C'est généralement le résultat de ce que l'on a projeté, ce que l'on lui a renvoyé. On modifie le comportement de l'autre par rapport à notre propre comportement. Et c'est toujours plus facile à voir ce qui ne va pas chez les autres que de voir ce qui ne va pas chez nous. L'influence de ce passé, il va être important pour ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur de la carte du boomerang, comme vous pouvez le voir, c'est la carte de la séparation qui est recollée. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, on est passé, puisqu'on est sur le passé, on a vécu dans le passé plus ou moins proche, une rupture, pas forcément sentimentale, une rupture sur quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et on parle de l'eau. L'eau, qu'est-ce que c'est? L'eau, ce sont les sentiments, ce sont les émotions, au sens large, de tout ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de nous. L'eau, elle ne se demande pas par quel chemin elle doit passer. L'eau, elle se laisse couler, tout simplement. Elle est. Elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le futur. L'eau, elle coule. Elle se laisse. Quand on suit le cours de l'eau, c'est quand on dit « laisse couler », qu'est-ce que ça veut dire « laisse couler » ? Laisse faire les choses naturellement. L'eau aussi, ce qui est très intéressant, et ça a déjà été développé dans certaines théories, c'est que l'eau aurait une mémoire
des choses. Puisqu'on vous parle de revenir par rapport à certaines choses, en fait, on nous renvoie sur cette période à quelque chose qui revient. Avec l'eau, on vous parle aussi de quelque chose qui revient par rapport à la mémoire, par rapport à l'émotion. On vous dit n'oubliez pas. N'oubliez pas que universellement, collectivement, nous avons un devoir de ne pas oublier. De ne pas oublier certaines choses. De ne pas oublier certaines périodes qui ont été longues à traverser et difficiles, bien que en fonction de notre âge, on ne les ait pas tous vécues. N'oubliez pas ce qu'il y a pu arriver. Parce que c'est ce qui va vous permettre, c'est l'impulsion, c'est le bagage important du passé qui est en fait de revenir à l'essence même de ce que l'on est, à l'essence même de notre être et à l'essence même de nos émotions. Au niveau des peurs et des blocages, vous avez la chance et vous avez la clé. C'est-à-dire que puisque ça intervient en peur ou en blocage, pour moi, on est sur le fait d'avoir une difficulté par rapport à toutes ces choses qui refont surface. On est en fait sur beaucoup d'émotions qui seront bénéfiques puisqu'on a besoin de les vivre. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément bien les vivre. On est humain. Effectivement, quand on, par exemple, quelque chose ne va pas comme on l'aurait souhaité, un imprévu, peu importe. Généralement, on va ressentir de la colère, de la frustration ou de l'angoisse. Ou des fois même les trois. Au lieu d'accueillir ce que l'on va vivre. Mais puisque là, on nous l'intervient et on nous le pose en blocage ou en peur, c'est bien pour mettre l'accent parce qu'on a besoin de travailler dessus. La clé, on parle de solution. Donc, puisque ça intervient en blocage, on est sur la peur de ne pas s'en sortir. On est sur la peur de ne pas y arriver. On est sur la peur de ne pas trouver cette solution. Mais on est aussi sur quoi ? Sur la peur de vivre ce changement. Puisqu'on le sait généralement, quand on parle d'un changement, c'est-à-dire, changement, qu'est-ce que c'est ? C'est que dans ce que l'on a construit, que ça soit de manière individuelle ou dans ce que l'on connaît de notre monde aujourd'hui, dans ce que l'on a construit, le changement, c'est quelque chose d'extérieur qui vient, donc c'est un peu ce qu'on appelle un événement, un élément perturbateur quand on apprend les comptes. L'élément perturbateur, c'est ce qui va venir créer une difficulté, c'est celui qui va venir créer une problématique à résoudre au fur et à mesure. Mais le changement, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est différent. Et généralement, en tant qu'être humain, on a tendance à pointer du doigt, à rejeter, à être en colère ou à dénigrer ce qui est différent. Non pas parce qu'on ne le veut pas, mais simplement, ces réactions, elles sont humaines et naturelles et elles résultent simplement de la peur de ce que l'on ne connaît pas. Quand on parle de différence ou de racisme, généralement, c'est la haine de quelque chose qui est différent de nous. Et l'être humain est comme ça. Généralement, il a tendance à être haineux, il a tendance à rejeter, il a tendance à dénigrer, parfois humilier. Et l'être humain a pu aussi dans l'histoire produire ou agir avec des actes d'extrême violence sur des choses qui étaient différentes de lui. Alors qu'en fait, en soi, le message au niveau de l'amour et le message au niveau d'émotion reste le même. L'amour, c'est quoi ? Que ce soit pour soi-même ou pour les autres. L'amour, c'est quand les différences ne partagent plus. Elles ne sont plus faites pour se séparer. L'amour, c'est quand justement ces différences-là ne séparent plus. Et là, c'est ce que je pense que c'est la leçon de ce mois-ci. Ce qui va arriver de l'extérieur. On nous parle de changement. C'est quand même drôle puisque c'est le titre de la vidéo. Donc, on est pile poil dedans. Les changements à venir. Changement, instabilité, illusion. On nous parle de quelque chose qui va être effectivement peut-être pénible. Puisqu'on ne le maîtrise pas, le changement, c'est quelque chose que l'on va devoir vivre et que l'on va devoir accueillir. Par rapport à l'instabilité, c'est-à-dire, c'est quelque chose où on risque d'être un petit peu confus, on risque de ne pas forcément savoir comment avancer, de quelle manière agir, ce qui doit être mis en place et où aller.
Mais ce changement avec l'illusion, il vient aussi nous indiquer qu'on peut se rendre compte que certaines choses auxquelles on était accroché, que ce soit certaines croyances, certaines pensées, n'étaient peut-être pas telles, ne sont pas telles qu'elles y paraissent. Enfin, on se comprend. Cette chose n'est pas ce qu'elle semble être. Voilà, merci. Cette chose n'est pas ce qu'elle semble être. On peut se rendre compte de certaines choses. On peut se rendre compte aussi de ce que l'on renvoie aux autres. L'illusion, le masque. On se rend compte qu'en fait, si l'on ne s'accorde pas à se laisser simplement être et que l'on renvoie une fausse image, peu importe les raisons, si on se montre fier, c'est un mécanisme de défense et de protection. Si on se montre fort ou courageux, qu'on ne veut pas montrer ses blessures, c'est tout simplement parce que pour certains, par rapport au bagage du passé, ça coûte de se mettre à nu, ça coûte de se montrer tel que l'on est. Et parfois, on se cherche tout au long de sa vie. Le changement, souvent, il fait peur parce qu'on a souvent la phrase qui dit « je ne changerai pas, je suis comme ça, je ne changerai pas ». La vérité avec ce que ce tirage nous dit, c'est qu'en fait, on vous montre que ce changement va quand même se produire et que si ce n'était pas finalement vous qui êtes en train de changer, qu'on ne vous demandait pas de devenir quelqu'un de différent, mais que ces choses-là sont faites pour vous faire prendre conscience de choses qui sont peut-être plus intimement liées à votre essence même de ce que vous êtes ici, de ce que vous incarnez, et qu'on vous proposait non pas de changer, mais de devenir peut-être qui vous êtes réellement au fur et à mesure. Je pense que là, on verra ce changement de manière peut-être différente. Et c'est le message d'aujourd'hui. Où cela nous mène ? Où cela nous mène ? Nous avons de la distance et la bénédiction. Où cela nous mène, c'est-à-dire à s'éloigner de ce que l'on avait pu croire jusqu'à présent, que ça soit croyance, ou s'éloigner aussi de certaines certitudes, ou s'éloigner peut-être, dans certains cas, de certaines personnes. Mais cette période, elle nous indique aussi que nous sommes dans une période où nous sommes peut-être éloignés les uns des autres et que ce n'est pas là par hasard. On s'éloigne de ce qui nous rattache à de l'illusion, à du paraître, à des faux semblants, pour se consacrer un peu plus à ce que l'on est. Et que cette période qui peut être que l'on vit, qui nous a été imposée, où l'on est peut-être éloigné des personnes qui nous sont chères, puisque c'est la bénédiction, c'est quelque chose que l'on nous offre. Et que ça peut paraître paradoxal, mais que si on rejette quelque chose que la vie et que l'univers vous place comme une bénédiction, c'est aller à l'encontre de l'amour, de la vie et aller à l'encontre de vous-même. Sur la carte de la bénédiction, il y a une main qui cache un œil. On vous dit de prendre de la distance avec ce que l'on avait du mal à voir. À l'intérieur de cette main, si vous regardez, c'est le signe de l'oméga qui nous parle d'une fin de chapitre pour un nouveau. On vous dit bien, et en plus si vous regardez dans les bords de cette carte, on retrouve le symbole de l'eau, des émotions. Prendre du recul, parce qu'en fait ce mois sera intense, mais prendre du recul avec ce que l'on ressent, prendre du recul avec ce que l'on vit, mettre fin à certaines choses auxquelles on était accroché, mais qui n'étaient peut-être finalement pas justes, qui n'étaient peut-être pas forcément vraies. L'issue de ce tirage, c'est qu'on a l'accusation et la foudre. Il y a plusieurs interprétations. Avec l'accusation et la foudre, on est sur quelque chose qui arrive rapidement, éventuellement une révélation. L'accusation nous parle d'une mésentente, d'une discorde, d'un conflit. Mais on peut aussi nous dire avec la foudre et l'accusation. Donc, ce que je viens de vous dire, effectivement, c'est à prendre en compte. Maintenant, si on se place d'un point de vue un peu plus, on va dire, moins individuel, moins égoïste, on nous parle en fait, effectivement, que toutes ces choses-là sont faites
pour que rapidement nous prenions conscience des choses et que même si cela nous dérange, même si cela nous fait mal, parce que la foudre c'est quelque chose qui surprend, qui s'abat, qui est rapide, qui est bref. Révélation, changement. Pour ne plus nous diviser, pour mettre fin à des querelles qui n'ont finalement pas énormément d'intérêt, qui n'ont pas énormément de valeur, puisqu'on nous demande de nous élever. Nous avons quand même la naissance et la mort qui nous parlent vraiment d'un cycle. Quand on parle du symbole de l'ouroboros, pour ceux qui connaissent, qu'on retrouve dans la carte du retour dans la triade. L'ouroboros, qu'est-ce que c'est? C'est un serpent qui se mord la queue. Ah oui, il se mord la queue. Bebe qui fait des conneries. Aujourd'hui, là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, voilà. L'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. J'ai déjà essayé, j'y arrive pas. C'est tout simplement le symbole du continu. Le symbole du cycle éternel. Comme dirait le roi Lion. Voilà pour l'issue de ce tirage. Maintenant, on va aller voir du côté des portes de l'intuition. Nous voilà de retour avec justement les portes de l'intuition. Et j'ai aussi rajouté quelques cartes Dixit qui me plaisent énormément, que j'utilise déjà depuis quelques temps. Les cartes Dixit, pour ceux qui ne connaissent pas, là-bas, c'est un jeu de société où ce sont des cartes imagées par différents illustrateurs qui sont très riches en informations et en dessins et auxquelles il n'y a aucun mot. Donc, qui sont très facilement et un plaisir aussi de pouvoir les utiliser pour ce qui est de l'intuition. Alors, au niveau de la situation actuelle avec les cartes de l'intuition. Vous avez au niveau de la situation actuelle le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Je vous ai dit tout à l'heure, courage. Pourquoi? Pour le changement, de ne pas en avoir peur. C'est quelque chose où il va falloir se lancer. Quand on peut voir à l'intérieur de cette carte, on a quand même un cœur avec une espèce de déchirure. C'est-à-dire que malgré ce qui s'est arrêté, malgré la sensation de brûlure, malgré cette sensation de blessure, de douleur, à vif, peut-être aussi pour certains. Les choses sont là et on peut le voir avec Dixit pour que nous puissions transformer tout ça, transformer tout ce que l'on vit pour s'en servir. Et en fait, c'est le principe même de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se crée, rien ne se perd. Nous nous apportons les choses tout simplement pour s'en servir et les transformer. C'est la même chose que de la cuisine. En fait, ce que l'on vit. C'est-à-dire que on nous apporte des ingrédients, à nous de les utiliser pour les associer ensemble. Et le fait de cuisiner tout ça va créer une réaction chimique. Quand on fait de la pâtisserie, on crée une réaction chimique avec des dosages qui vont créer. Donc on nous apporte les mêmes énergies. Libre à vous de vous en servir ou pas. Nous avons tous les mêmes ingrédients. Mais nous ne ferons pas forcément la même recette. Où nous allons? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. On vous parle de nouveau de cette force. On vous parle de ce courage. On vous parle de cette foi. Quand on vous parle de choses qui ont besoin de s'enraciner à l'intérieur de vous, de s'ancrer. Quand on parle des racines, les racines, c'est quelque chose de profond. On vous parle donc bien, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller puiser au fond de vous-même, de croire en vous. Mais pour aller puiser, on va faire le parallèle avec autre chose. L'arbre dont les racines sont sous la terre, donc à l'intérieur, dans ce qui est sombre. La partie, vraiment, celle qui est enracinée, c'est celle que l'on ne voit pas, c'est celle qui paraît invisible. C'est celle qui est dans le noir, dans l'ombre. Mais toute l'autre partie de l'arbre pousse vers la lumière. Ce qui permet à l'arbre de pousser et aux racines de grandir, la lumière et l'eau. Et finalement, on a peut-être du mal à s'en rendre compte, mais c'est le principe aussi de nous en tant qu'êtres humains.
Qu'est-ce qui nous pousse à grandir, malgré les épreuves, malgré les difficultés et malgré ce que l'on ne sent pas? Ce n'est pas pour autant que cela n'existe pas. On ne voit pas l'amour, mais on le ressent. On ne voit pas le vent, mais on le ressent. Et bien, c'est l'eau qui vient nourrir l'arbre. Et puisqu'on vous dit, au plus besoin de s'enraciner, puisez en vous. Le mot puiser, quand on parle de puits, ce que je vous disais tout à l'heure, allez puiser à l'intérieur de vous, redescendez à ce qui est fondamental, redescendez à cette essence même de votre être. On vous parle de puits qui est allé chercher, on vous parle d'eau, on vous parle de racines. Avec la carte d'Ixit, on est, si vous regardez, sur une espèce de mécanisme de rouage avec différents visages, différentes facettes, différentes couleurs. C'est-à-dire qu'on vous demande d'aller puiser à l'intérieur de vous, sur toutes les composants, toutes les différentes facettes de vous, de votre personnalité, tout ce qui vous caractérise. Et aujourd'hui, on vous demande d'avoir cette force pour que les choses puissent se transformer, pour pouvoir évoluer. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner ce mois-ci. Ce que vous avez besoin de comprendre, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous rencontrez en dansant avec les situations difficiles, la fluidité. Ça nous renvoie à la partie du tirage où je vous expliquais tout à l'heure. Laissez couler la fluidité. Ne faites pas barrage. Si l'eau est retenue et qu'elle stagne, qu'est-ce que ça fait de l'eau qui stagne ? Ça finit par croupir. Et bien, en fait, c'est la même chose pour l'être humain. Ce qu'on appelle de l'eau croupie, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau qui est restée à un endroit parce qu'elle n'avait aucun moyen de continuer son chemin et que des bactéries et des choses se sont développées. Et bien, on vous dit qu'en fait, laissez les choses couler. Si vous retenez ces émotions, si vous faites barrage à ce qui doit s'écouler naturellement, vous allez développer vos bactéries à vous, vos moisissures à vous. Ce sont la rancœur, ce sont la colère, ce sont la jalousie, ce sont toutes ces émotions parasites qui viennent faire de jolis champignons autour de votre cœur et de votre être. Puisque si vous regardez, en dansant avec les situations difficiles, acceptez-les. Le mot danser, il est là. Acceptez-les comme une danse. Ne restez pas figé. Une danse, qu'est-ce que c'est ? Un pas en avant, un pas en arrière. Donc ce que je vous disais avant que l'on soit interrompu et coupé, c'était quand même assez percutant et ça résonne assez énormément quand on parle de fluidité, quand on parle de danser, de laisser. Quand on danse à deux, on doit avoir une confiance au partenaire qui est en face de nous, de manière aussi à se laisser guider. Avec la carte du Dixit, là vous avez la corne de l'abondance avec une personne qui s'épuche, qui enlève les couches pour aller à l'essence même de ce qu'il y a de plus pur et de ce qu'il y a de plus vrai dans sa manière d'être. Ce qui intervient en carte blocage ou en peur. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ce que l'on vous dit, c'est que par rapport à ce qui revient à vous, on vous propose aujourd'hui, sur ce mois-ci, d'effectuer un travail qui vous permettra de ne plus vous laisser guider par la peur, de ne plus vous laisser guider par l'angoisse de ce que vous ne contrôlez pas, de ce qui est différent. Et pourtant qui vous amène à vous retrouver vous-même. Puisqu'avec la carte d'Ixit, on vous montre cette porte qui paraît inconnue. Où se trouve cette porte? Si vous regardez bien l'image, elle se retrouve dans l'eau. C'est une porte qui s'ouvre sur vos propres émotions. L'issue de ce tirage, vous avez les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, je vous l'ai dit, laissez couler, lâchez. Et si vous regardez l'image d'Ixit qui correspond, ces deux personnes qui paraissent en distance, qui paraissent séparées, qui paraissent
différentes sont finalement en lien et sont finalement présentes l'un pour l'autre par rapport à la musique qu'elles partagent. Malgré les différences, nous sommes finalement tous unis par un lien qui ne paraît pas toujours visible, mais qui s'appelle l'amour. On va terminer ce tirage d'aujourd'hui avec un petit conseil des anges pour terminer. On en a eu deux qui sont KO. Il arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Never give up. Et la dernière, autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Tu te sens du coup étouffé. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Laisse couler, accepte et vis ce que tu es réellement. Et pour finir, on peut trouver du bonheur, même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir, d'allumer la lumière. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Retrouve juste ici tous les derniers tirages présents sur ma chaîne. Et pense à t'abonner si c'est pas encore fait. Et on active la cloche, même pour Pâques.